quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde à Ruka, au nord de la Finlande, combinés et sauteurs tricolores ont effectué un dernier stage sur le tremplin de Chauneuf. Dans le Houdou, la neige était au rendez-vous, ce qui n'était pas pour déplaire aux athlètes. Quoi de mieux que de pouvoir sauter en France à Chauneuf et skier en France 10 jours avant les compètes, c'est idéal. Ouais. En ce début d'hiver, François Brault est bien dans sa tête. À 30 ans, l'athlète a gagné en maturité. Le Chamonnière est plus serein, surtout que les Grands Prix d'été avec un top 3 au compteur lui ont montré qu'il avait plus que jamais sa place dans les premiers rangs. C'est sûr que de faire un bon été, c'est toujours, on est toujours plus en confiance à l'approche de l'hiver. Mon but maintenant, c'est d'aller jouer devant. Voilà, on a mis en place des choses nouvelles en saut, ça marche. Donc on espère tout de suite être à la bagarre dès les premières Coupes du Monde. Et bien sûr, après les championnats du monde, ramener une médaille. Il y en a trois à défendre, ça va être compliqué, je le sais. Mais il ne faut pas se mettre de limite. On est outsider et ça peut faire de belles choses. Laurent. Ouais, Lolo, ça continue dans la bonne dynamique. Là. C'est... Histoire de se donner toutes les chances, le saut était la grande affaire des Français pendant l'été. Une vraie remise en question, engagée par l'entraîneur Jérôme Laheurte. Sur le saut, j'ai quand même pas mal changé de choses, sur la prépa physique et technique notamment. Ça a mis un peu de temps avant de se mettre en place dans l'été. Donc voilà, les voyants sont plutôt au vert maintenant au tremplin. Les mecs sont plutôt bien, donc on va voir un peu ce qui se passe avec le dossard sur le dos, mais... Voilà, confiant et avec une envie de se libérer parce qu'on n'est pas forcément les premiers attendus sur le podium. L'équipe de France de combiné nordique qui a montré de belles choses lors des compétitions estivales ou encore récemment pendant les championnats d'Allemagne a maintenant les crocs, conquérantes donc, et impatientes d'en découdre sur la neige. Ouais, c'est vrai qu'il y a de la patience et il y a aussi un peu des fois de l'appréhension aussi pour savoir voilà, comment est-ce que je vais réussir une bonne transition. Au tremplin, c'est toujours quelque chose de délicat. Puis il faut rester calme. Maintenant, je décidais de partir au dernier moment en Finlande où je montrais un peu après les autres le mercredi. Le 23 novembre, et comme ça va pouvoir me dégager un peu de temps avec la famille à la maison une dernière semaine. Je devrais pouvoir skier encore dans les Vosges, sauter à Gérardmer, donc toutes les conditions sont réunies pour que j'arrive en bonne forme à Kuusamo. Kuusamo, ce sera également la destination de Vincent Descombes-Sevois. Avant de s'envoler pour la station finlandaise située à deux pas de la Russie, le leader de l'équipe de France de Swaski est satisfait de son séjour dans le Jura. Moi, je repars d'ici vraiment avec de bonnes sensations, des sensations qui sont similaires à la fin de l'été. Donc voilà, j'espère trouver un bon état d'esprit, mais l'état de confiance est nickel. Yep. Durant l'été, la performance du douanier des Houches à Einsiedeln en Suisse n'est pas passée inaperçue. Vincent Descombes-Sevois y a remporté le concours qualificatif du Grand Prix d'été. C'est dire qu'il faudra suivre avec attention son parcours en cette année pré-olympique qui ne manque pas de temps fort, avec la tournée des quatre tremplins, les mondiaux de Lahti et une virée scandinave à l'approche du printemps. Il y a des bonnes choses, il faut, je trouve encore... Mais comme tous les ans à cette période, on est toujours un petit peu, tendu quoi, de débuter la saison, de savoir précisément quand on va être confronté avec les autres, où on en est exactement, précisément. On a bien travaillé cet été, globalement. On a passé un step, on a passé un petit cap. Mais bon, je pense que les autres aussi ont passé un cap. Et maintenant, il va falloir qu'on aille se confronter avec tous ces autres athlètes et puis voir précisément où on en est. Quoi. Ronan Lamy-Chapu n'ira pas à Kuusamo. Le tremplin de Ruka ne lui convient pas. Le Jurassien entrera dans l'arène un peu plus tard. Donc j'ai encore un petit peu de temps pour, on va dire, pour me régler. Et puis on a la chance d'avoir le tremplin de Chauneuf prêt avec la neige. Donc franchement, ça c'est génial. Ça fait bien longtemps, je pense, qu'on n'a pas sauté sur la neige à cette époque. Donc voilà, je vais en profiter moi pour m'entraîner ici et puis attaquer la saison de Coupe du Monde à Klingenthal. Combinés comme sauteurs en ont donc fini avec leur préparation, leurs adversaires aussi. Dans quelques jours, dossard sur le dos, ce sera l'heure de vérité, en tout cas le temps du premier face-à-face dont les Français espèrent sortir aux meilleures places.